Pam, pam. Pam, pam. Voilà, attendez, je peux quitter ça? Ah non, on peut pas. Ah d'accord, aussi je peux passer. Donc voilà un peu la patte graphique du jeu. Le jeu est fait un peu sur cette vue-là. On a Bob. On a Viper. Elle, je sais plus c'est quoi son nom. Lati. Et le dernier, c'est Psycho. Et notre préféré, c'est Psycho. Parce que Psycho, c'est vraiment à base de... il découpe les gens à la tronçonneuse, quoi. Donc, c'est plutôt cool, ouais. Et bisous YouTube, au fait, hein. Bonjour. Comme ça, ça fera un peu de billes et un peu de céréales cleaner. Et ouais, je pense qu'on est bien. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Je veux voir l'accès au serveur. Allez, on continue. Je crois qu'on était à la moitié du chapitre 2. Ça a bugué ? Ah oui. On avait eu l'histoire avec la nana de Psycho. Voilà, là on devait choisir entre Lati et Viper. On va faire Lati puis on fera Viper après. Mais je crois que je ne comprends pas. Je trouve quelque chose pour lequel t'es doué. Tu apprends à le faire à ta façon. Tu vois les connards qui t'ont fait peur toute ta vie. Et tu te rends compte qu'ils peuvent rien te faire. Tu te sens enfin que tu as le contrôle. Monodie ne voit pas les gifts. Comment ça? Mais si, ah, le subwoofer à Sid et le subwoofer à Colombo, merci beaucoup. Je suis trop con. Non, bah, c'est juste que je suis con. 1994, Long Island. On va faire là que ça. L'état de New York. Le gang de rue mené par Hangman étend lentement mais sûrement son influence. Après un épisode sanglant, ils prennent le contrôle de la zone de street art la plus connue du moment afin d'y vendre de la drogue. Avant d'y lancer son business, Hangman contacte les nettoyeurs afin de dissimuler les dégâts. Alright, well, time to pay your bills, girl. Hangman's gang did this. Ok. Donc là, c'est sur 3 étages. On a vu 2 keufs. Je te jure, si je te retrouve mort abruti, je trouverai quand même un moyen de me manger. Oh, j'arrive plus à parler. Donc le but c'est de ramener les preuves et les corps dans ce coin là. Ok. Donc là on a ramassé une preuve. Putain, il arrive lui. Il va voir que ça a bougé. 100%, il va voir que ça a bougé. J'en ai un juste derrière, je l'avais même pas vu. Ah, d'accord, il me voit. Faire tout le tour par là. Je peux taguer mais j'ai toujours pas compris à quoi ça. Oh putain, il va descendre lui. Mais non. Oh le salaud. Non.
Putain, mais y en a partout. À ce niveau, il a l'air hardcore. Tout dans la discrétion. Je peux aller par où? Ok. Donc le but, voilà, c'est de ramener les preuves, de les jeter dans la voiture. Par contre, je vois pas où. Ah, il y a du sang. Ah, il y a un corps là, je l'avais même pas vu. Oh, le con. Et. Le but, c'est aussi de nettoyer le sang. Oh. Merde. Merci pour le sub. Merci Vic pour les 5 subs offerts. Merci pour ce beau faire à Phoenix 47, Shundrei, Sharklix, Xakan et Florent. Putain, mais il m'emmerde lui. Ah, faut que j'aille chercher le corps maintenant. Sinon, c'est trop tard. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passants. Hein. Us, c'est pas moi! Mais bande de cons! Allez, bisous! Non! Ah! Je suis trop con. Je suis juste trop con, en fait. Et j'ai pas sauvegardé quand j'avais ramené la grosse preuve. Oh, le connard. En vrai, très simple. C'est juste que je suis un con. Je suis un peu un con. Là, il y avait un corps. Désormais, plus rien. Ça, je crois que ça les attire normalement. Je sais pas pour combien de temps. Ah, les deux ils vont venir voir le truc. Hein? Quoi? Mais non, mais je suis trop con! Oh le con. Allez, dégage. Putain, j'ai pas de cachette en plus là. J'ai pas vu de cachette. Ah, il me cherche, il est vénère. Peut-être attendre qu'il se calme. Je peux toujours pas rentrer sur le serveur. C'est bon, il est calmé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de sang par contre sur le truc, ça va être chiant. En vrai, je vais sauvegarder. Hein. Là, j'ai quoi? Il y a du sang ici aussi. Ok, j'ai pas d'étage en fait à proprement parler. Faut juste que je grimpe au bon endroit. Ça, je peux faire tout le tour par l'extérieur.
Oh. Compliqué. En fait, je suis bloqué de ouf. Putain. Faut que je fasse le tour en fait. Faut tellement que je fasse le tour. Putain, mais je suis full cramax. Je peux monter par là. Ok. C'est pas mal ça. Ça va faire un bon exit. Et il a la pièce elle a bougé. Il est pas content. Va descendre. Normalement, il me voit pas. Je pense pas qu'il me voit. Us. Attendez. Excusez-moi, j'apprenais un message. Ah oui, d'accord, on peut faire comme ça. Pratique. Oh, oh, oh. Mais là, jamais je nettoie le sang, en fait. Où tu penses que le serveur sera ok quand? C'est une grosse tempête là. Bah le staff est en train de bosser donc faut leur laisser le temps d'eux. Ça ne se fait pas. Ça me fait penser à Commando Jo comme jeu. Ouais, je connais pas du tout. Merde.
Je vais le jeter, s'il vous plaît. Ok, ça c'est bon. Quasi rien. Ah, on me confirme dans l'oreillette que les infos chat de 90 jours, etc. sur les strikes, ça ne fonctionne pas. La boucle de musique, elle me fait chier. Un strike, comment ça, comme bowling? Non, sur Twitch. C'est manger un strike pour les trucs de GTA 6. C'est très bizarre. D'Arcazur pour 14e mois. Je kifferais bien jouer au serve là. Oh mais la zik. La zik est chiante là. Attendez, hop. Je sors la zik de la VOD, je vais me mettre de la zik perso. Jazz. Jazz. Dans une playlist, s'il vous plaît. Jazz Classics. Bon, je pense qu'on finit ce niveau, puis je sais pas ce qu'on fait après. En vrai, j'avais pas trop envie de jouer à ce jeu-là. On pourrait faire le jeu de voleur aussi. Je repasse tout à l'heure, à plus d'Arcazur. Merci encore. J'avoue que cette histoire de strike m'a un peu... Ça m'a un peu mis le moral dans les chaussettes. Tristoun. Et je me dis, c'est s'ils ont striké alors que le contenu normalement il était pas visible. Bah ça veut dire que tous les réacts qu'on fait et tout là, bah c'est chaud boulette. Hein. Et quoi, qui a pris un strike? Moi j'ai pris un strike. Je vais rien demander à personne. En même temps, je fais le con, mais... En fait, on a regardé les vidéos de GTA 6, mais au début, on savait pas qu'elles étaient GTA 6.
Le leak était pas... avéré. Apparemment, il l'a été après coup. Us. Je sais pas où il y en a d'autres. Ah putain, mais il y a un truc là. C'est quoi? Il y en a en bas. Il reste un corps. Je sais pas où il est. Ah, il est tout là-bas, putain. Ça va être compliqué. On est genre, il y a un message. Des MP à faire. Par où je monte? Putain. Merci Benji qui a renouvelé le subwoofer par le tocard. Comment je monte? Putain. Là, faut passer, faut forcément passer par là, mais on va se faire voir. 100% en fait. Ah, mais il y a une échelle là. Non, il y a une échelle directe là en fait, j'avais pas vu. Faire. Je peux le tège. Je peux pas le tège. Il va monter. Il va monter. J'en sais rien. Je sais même pas si je peux le porter le truc. S'il monte, c'est nickel. Il n'y a plus de preuves, il me reste que le corps à récupérer.
La concentration. Non, j'envoie des messages. J'envoie des messages. Putain, je suis con, c'était la bonne. C'était le bon truc. Renouveler car tu le mérites tellement, tout simplement. Merci beaucoup, Benji. Bonjour, Mona, comment vas-tu? Bonjour, la team. Ouah, difficile aujourd'hui, là. Difficile aujourd'hui, là, les petits strikes. Pas descendu au bon moment. J'étais encore en train d'écrire un message. Ok, maintenant. Le tège ou pas? Je peux pas le tège. Ah, oh, je peux pas le jeter. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement que je le descende. Oh, ça va être compliqué ça. Si tu peux, t'étais juste trop près. Ben normalement, ouais. Là, je peux monter. Allez, où? Non, c'est là que je dois le faire. Oh, ça c'est chaud. Il faut attendre qu'il fasse demi-tour. Ok, on est bon. Putain, maintenant il va y avoir le sang. Il va y avoir le sang, ça va être trop dur. Comment ça, un cadavre? Il avait vu un cadavre. Il avait vu le cadavre, ce con? Aussi du sang. Merde, faut que je fasse le tour.
Et là, j'ai deux barres. En plus, j'ai deux barres de sang. Faut que j'en descende une avant de, avant d'aller sur l'autre. On peut toujours pas rentrer sur le serve. Putain, c'est chiant. Ça doit vraiment être une grosse, grosse mage. Ok. Ah bah ouais, putain, j'en ai beaucoup, beaucoup à faire, là. Deux nouvelles entreprises. Oh, c'est cool. Ah bah oui, du coup, oui. Il y a rien en haut. Putain, mais je sais pas comment je... Mais il reste quasiment rien, en fait. Ah, c'est bon, on peut se casser. Évadage. Merde. Il arrive. Quoi, il arrive? Nickel. Évadage. No sign of hangman. Attendez, je remets la zip parce que là c'est bon. Hop. What the hell was he doing with his life? Deux nouvelles entreprises. Oh. J'espère que ça va bien se passer. Sorry, got carried away. Désolé, je me suis emporté, mais ouais, c'est la meilleure sensation au monde. Putain, mais dégarrément. Et si ça marche, ça marche. Je comprends. Je comprends pas. J'ai pas compris. Eh oh, j'apprécie moyennement qu'on insinue que je comprends pas quelque chose. Je suis tout de même cyber-cali, les gars. La techno-déesse de la mort. La reine infernale du réseau commuté. Les morts, je les fais disparaître. Les poulets, je les poutre. Les preuves numériques, quelle preuve? Le coup d'aspirateur à la fin, j'en nettoie qu'en plus. Ah ouais, non. Ok, ça y est, l'histoire de Viper. 1995. Manhattan, New York. Dès que la brèche du pare-feu a été confirmée, le conseil d'Intech n'a pas laissé place au débat. Les hackers doivent être éliminés en toute discrétion. Un groupe de mercenaires engagés pour l'occasion s'introduit dans le sous-sol d'Arcade Pool et ne réalise que trop tard que les hackers n'étaient que des étudiants plongés dans l'ennui. Bisous. Finally, a real challenge, and it's perfect for me too. I know this arcade like the back of my hand. Enfin un vrai défi. Ah, je vous le dis direct, hein, dès que le serveur il est on, on quitte ça. Hein. Ok, 4 corps, 4 preuves. Putain, mais ça devient de plus en plus hardcore. On peut rentrer par là. I suppose, yes. Ok, là on peut pas. Là on peut pas. Piratage. Un peu l'emballer elle aussi. Comme ça, ça fait moins de sang. Oh. Ah bah il a la police arrive. Merde. Merde. Ils sont où?
l'aide. Il me voit ? Mais quoi ? D'où il me voit ? Mais d'où il me voit ? Eh putain, mais genre il me voit. Il est pas censé me voir ce con. À l'aide. Ils sont armés et dangereux. Ils sont aussi complètement cons. Ne viens pas par là, toi. Ok, nickel. Ils sont pas si cons. Ils sont énervés. Salut Roupette. Attendez, je laisse. On peut toujours pas rentrer. Putain, par contre, j'espère que le truc va pas boucler comme ça en boucle. Hein. Parce que, ok, la zik elle est très bien, mais normalement, faut. Donc, j'ai déjà acheté un corps. Putain, mais il y a des preuves partout. Il y en a une, elle fait chier là. Décharge. Ah mais la décharge est là. J'ai une décharge dans le... Non, t'as vu mon MP tutor avec le web. Oh, j'ai... Ah peut-être que je l'ai vu mais j'ai pas écouté. Faut savoir que des fois je les messages je les lis et je fous le bug. Ouais, je vais sortir par là. Mais non mais... Putain mais il me voit trop loin. Il me voit 10 000 fois trop loin aussi. Voilà, bah... Putain ! Mais vraiment ? Je peux pas passer là ? Pourquoi il se pose des questions, là ? L'autre, revient, là ! Oh là là, c'est trop difficile. Ce niveau-là, il est impossible. Faut que je passe par autre part. Faut que je descende au début, mais en fait, je me suis coincé comme un con. Après, est-ce que je retourne au début, en fait? Là, de passer là où je suis en train de passer, c'est presque trop compliqué, en fait. Là, je ne peux que jeter des trucs.
Ok. Ah donc là je peux accéder à dehors. C'est pas mal. Ok. Qu'il allait me voir. Il y a pas là. Il est censé avoir un truc de décharge. Je comprends pas. Comment ça y est une décharge là? Salut Valjou. Je suis pas trop safe là. Je crois qu'elle va, elle va me voir. Mais la zig des fois c'est un enfer. La... J'ai l'impression que c'est la même boucle en boucle. Incroyable. Bon c'est pas trop l'ambiance là. C'est pas l'ambiance. Salut Marion. Ça va depuis hier soir? Ah, ça peut être bien ça. Oh, je suis en train d'en foutre partout. Incroyable. Ok. Bon, je l'emballe, mais... Je l'emballe, mais c'est pour le principe. Hein. Parce que là, ça sert plus à rien. Hop là, bisous. Il me voit. Et je peux aller au-dessus aussi. Et au-dessus, j'ai l'air safe. Ah, preuve importante. Merde. Pas de rose ce soir? Non. La musique te lobotomise. Ouais, c'était un peu l'esprit. Hop là! Allez, bisous! Ah.
Ouais, c'est vrai qu'en fonction du poste de piratage qu'on a. Ah mais putain, moi je peux aller là en fait. Il m'a vu. Il m'a vu, il m'a pas vu. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va viendre? C'est quoi ces humains avec 14 litres de sang? Tellement. Attendez, attendez. Hein? C'est bon. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous ne me connaissez pas. Salut Lucas. Je veux jouer. Je suis en train de centraliser un peu tout là. Putain, j'ai encore une preuve là-bas. J'ai pas été la chercher. Faut que j'aille faire du piratage. En fait, avec elle, on peut pirater des zones, mais en fait, le PC à partir duquel tu fais le piratage, bah en fait, il va déterminer quelle zone et quel truc tu peux pirater. Bisous. Étrange tout ça. Piratage. Il faut que l'autre retourne dans l'autre zone. Que la nana en haut à gauche, elle retourne là dans la zone en bas à gauche là, enfin sur la gauche. Elle soigne un peu de ça. Ah et bah là forcément oui, il y avait un corps, il y a plus de corps. Hop, donc ça c'est bon, ça fait du bruit. Ok. Il me reste deux preuves à récupérer. Je sais pas où elles sont. Là j'ai les quatre corps, j'ai une preuve importante. Et preuve importante là. Ok. Putain, attends, j'étais persuadé que là, la décharge, c'était fonctionnel. Putain, il me voit, ce con. Je suis quasiment sûr qu'on pourra pas jouer de la soirée sur le serve. J'ai pas de certitude. Salut Tevatep, salut Guito.
Putain, ça fait du bruit. Ah oui. J'ai un peu tout rameuté dans le même endroit. Moi, ça devrait aller. Lui, il a toujours entendu du bruit. Va-t'en. Il n'y a aucun live interne. Le serveur, non, le serveur est en maintenance. Ils sont en train de faire une mage avec les deux nouvelles entreprises. Qui doivent faire des tests. C'est marrant, j'ai beau être très éclectique musicalement, le jazz c'est peut-être le style qui m'insupporte le plus. Ouais, en vrai, on va changer. Attendez, hop. J'aime bien cette playlist là. J'avoue. Ah, vous aimez pas le jazz? Depuis tout à l'heure, vous aimez pas le jazz, vous dites rien. J'ai pas compris c'est quoi le but du jeu. En fait, on est un nettoyeur de scènes de crime. Entre les points de récolte, les garages, les pompes, les stockages, ça prend du temps. Mais c'est... Ça prend incroyablement de temps, même. Oh non, non, non! Vraiment? Il a rien vu? Et lui, il a entendu un truc encore. Ça me bute. Allez hop, et de deux. Putain, mais ça fait tellement de bruit. Sondage sur le jazz. Hein. Est-ce que vous aimez le jazz? Ouais, trop, is ok, pas du tout. Urk. Ah ouais, merde, d'accord. Ouais, bon, on a bien fait d'arrêter, quoi. Il a pas l'air content, le monsieur. Non! Non! J'ai perdu tout le... Oh non! Oh non, je give up! Oh non, je give up! Oh, je give up. Il y a tous les corps qui sont revenus à l'autre endroit de départ. Oh. Oh, on est revenu au début. Oh, on est revenu au début. Quel enfer. Oh, j'ai la flemme de continuer. J'ai vraiment une giga flemme de continuer.
En vrai, je crois que je vais arrêter le live. Je vais aller me faire à manger. Je vais manger tout propre, il est 19h51. Te force pas, Mounou, ça te saoule. T'as le droit de stopper. Ah non, mais là, je vais. Je vais stopper parce que j'aurais bien aimé aller en RP là. Et je vais aller. Je vais tranquillement regarder là ce problème de strike. Hein, et voir un peu ce que je peux faire. J'avoue que ça me tourne dans la tête, donc je vais quand même aller regarder ce que je peux faire. T'aimes quand même, vous êtes trop gentil. Chez qui qu'on va? Chez qui qu'on va? Bah je vais. On va arrêter chez Draco. Hein. Je vois que Draco. Je sais que Draco elle a lancé tout à l'heure. Je vous envoie chez elle. Ah! Bon allez, des bisous YouTube, hein. Bisous à VOD. Je vous souhaite un bon appétit. Je pense pas que je relance.